strass, paillettes, et critique sociale au Sambodrome du Carnaval de Rio. Une immense tête de mort dorée, une sirène noire dans un aquarium, la ferie et les messages politiques se sont invités dans la nuit de dimanche à lundi au Sambodrome, au lieu d'un carnaval à la fois somptueux et contestataire. Malgré la vague ultra-conservatrice, qui a déferlé sur le Brésil depuis l'arrivée au pouvoir, il y a un an, du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, Rio est déjà plongé dans l'ivresse du carnaval depuis plusieurs jours. Pas moins de 2 millions de fêtards ont pris part à des cortèges délurés, où la bière coule à flot, dans les rues tout au long du week-end. Mais c'est au sambodrome que cette gigantesque fête populaire prend toute sa dimension férique, avec des chars somptueux pouvant mesurer plus de 10 mètres de haut et des milliers de danseurs aux costumes brillants de mille feux sous les projecteurs. 7 des 13 principales écoles de samba de Rio défilent dimanche soir et les six autres lundi, dans l'espoir de convaincre les jurés de leur attribuer le titre très convoité de champion du carnaval. Un an de travail jugé en un peu plus d'une heure, devant quelque soixante-dix spectateurs et des millions de téléspectateurs. Cette année, au-delà du strass et des paillettes, les écoles de samba ne lésinent pas sur les messages politiques. La championne en titre, Manguera, sera la troisième à se présenter dimanche, avec un défilé qui s'annonce très engagé un Jésus au visage noir, au sang indigène et au corps de femme, né dans une favela et prêchant un message de tolérance. Le choix de ce thème a suscité de nombreux critiques de groupes ultra-conservateurs qui l'ont jugé blasphématoire. La chanson de Mangueira a pour titre La vérité vous rendra libre, extrait d'un verset biblique cité à maintes reprises par Ger Bolsonaro, qui a bénéficié de l'appui massif des églises évangéliques lors de son élection en octobre 2018. Pour la première fois, les écoles de Samba, qui donnent toute sa splendeur au carnaval brésilien, se présentent sans subvention publique de la mairie. Depuis son élection en 2016, le maire Marcelo Crivella, pasteur évangélique, a toujours snobé la plus grande fête populaire du Brésil. Les subventions, qui s'élevaient à 2 millions de réais par école en 2017, environ 625 000 euros au taux de change moyen de cette année, ont été réduites progressivement, jusqu'à disparaître cette année. Comme on n'a plus de subventions, on doit se débrouiller pour que le défilé soit prêt à temps. On organise des événements au siège de l'école, pour obtenir des fonds, on est une grande famille. Explique Leila Aparcida, 52 ans, membre des d'Estatio de SA. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.